français Stéphane Filet dans les bacs. Vous avez la copie Stéphane Filet ? Déjà à la maison, pour et Stéphane Filet, the French Shore. Là, je sors mon album, Lost Album, en support CD, et c'est vrai que par rapport au public qui me suit, ils préfèrent avoir l'objet. Je suis également disponible en téléchargement, mais c'est vrai qu'avoir l'objet, c'est quelque chose d'important, les crédits, qui a joué, la musique existera toujours, peu importe le support. Moi, la question que je me pose, c'est pas tellement la nature du support, c'est vraiment ce qu'on met dedans. La qualité artistique, des bonnes chansons, des bonnes mélodies, des gars comme Robert Glasper ou Esperanza Spalding et ou Snarky Puppy montrent qu'on peut faire du crossover avec de la qualité. Comme les groupes jadis, comme les groupes comme Steely Dan, comme des jazzmen comme Bob James. C'était crossover, c'était grand public, mais avec de la qualité. Cet album, il s'est fabriqué pendant les années où je venais de casser avec Barclay, où j'ai accumulé pas mal de bandes, pas mal de musique, pas mal d'idées qui dormaient. Et un beau jour, je me suis réveillé, je me suis dit, mais attends, rien n'est perdu. C'est là, il faut sortir ça. Donc c'est pour ça que j'ai appelé cet album The Lost Album. Il y a des gens moins connus, mais il y a des talents comme Ludovic Louis qui a fait des arrangements de trompette sur des titres. Ludovic Louis qui est le trompettiste actuel de Lenny Kravitz, qui fait la tournée mondiale. Il y a des gens comme Jacques Schwartzbart qui m'a produit un titre. Il y a des gens comme Michel Alibaud à la basse, Eric Lellini au synthé sur un titre. Lawrence Clay, vraiment des musiciens que j'ai rencontrés, j'en oublie, il y en a plein. Mes musiciens actuels avec qui je travaille, Tioni Mounlasena, Christopher Gourdin, Rémi de Coudenneuve, tous les gars qui font partie de mon univers. D'accord. La production exécutive est faite par Lickshot. Donc Lickshot est un label qui monte. Et on essaiera de le monter le plus haut possible l'album, mais voilà, on verra. L'avenir, c'est travailler des dates, faire des dates soit en formation électrique ou soit en formation acoustique comme je l'ai fait ce soir à 3. Une bonne chanson, elle doit exister, et piano-voix, elle doit exister même à nu. Donc à 3, ça fonctionne avec Ludo, avec Ailey. Bah, c'est de faire des dates et je continue à préparer mon album anglais à New York. Donc c'est cumuler les deux, continuer à promouvoir le Lost Album et continuer à travailler mon album anglais à venir pour 2013.